Salut YouTube, bienvenue pour cette troisième VOD de Rogue Legacy 2. Ça fait longtemps, mais c'est normal, j'avais plus internet. Comment tu fais sans internet? Bah tu fais pas, voilà. Donc, nous reprenons notre dernière sauvegarde. Ah, écoute, j'ai pas bougé, je n'ai rien fait de plus, je n'ai rien changé, j'ai juste rien. Voilà, rien du tout. Où en étions-nous dans notre épopée Rogue Legacy-esque? Ah, je sais plus. I don't remember. Ah, on a débloqué pas mal de trucs déjà. Niveau 30. Ok, formidable. Et là, nous avons du danisme. Formidable. Kanten. C'est Kanten. Alors, comment on fait? C'est quoi les boutons? Au secours! Bonjour Micheline. Ah, là, c'est le dash. Ah, on peut pas dasher en l'air, si? On peut dasher en l'air? Ah oui, on peut dasher en l'air maintenant. C'est au début qu'on pouvait pas dasher en l'air. On a de l'argent? 140. Autant dire qu'on a rien. 148. Ah non, 300. Non, là on peut rien acheter. C'est beau. Et qui est devenu un vrai youtubeur? Oublie plus de dire bonjour, tout ça, et bon level up. Waouh! T'as vu ça un peu? Je passe faire un coucou rapidement. Salut Mukama! Merci beaucoup pour le coucou rapidement. Oh là là, ça a l'air compliqué là. Allô? Moi. Ah, j'ai bloqué le truc. Ok, on va voir. Je me casse. Mais laissez-le tranquille. Non mais, Mukama et Jelly, il faut les bichonner. Hein. Parce que là, ils se font bolosser. Quoi que tu vas me dire. Mais Bear aussi, hein, des fois, j'ai l'impression que... Niveau cassage de ghouls. Les portes dorées ne sont rien. Oui, je sais. Oui, je sais. Ah, on peut pas faire ça? On peut pas. Ça tape en bas ou pas? Non, c'est devant moi, juste. Ok. Oh là là, c'est compliqué, là. J'ai plus du tout l'habitude là. Ah oui, c'est vrai qu'on se régène. Ah oui, c'est vrai, quand on ouvre la porte. Ah oui, merde. Putain, mais j'ai pas regardé. On se fait bolosser. Qui se fait bolosser? Comment ça? Ah ouais, vous faites bolosser en ce moment. Je suis désolé, mais... En termes de fatigue et de charge mentale, vous êtes quand même... Ah, mais on était déjà venu? Quoi? Mais comment ça? Mais c'est possible ça? Ah, mais parce que j'ai sauvegardé le niveau, c'est ça? Oh, je me souviens plus du coup là. Ah, je me suis pas fait j'ai pas regardé les VOD. J'aurais peut-être dû faire ça. Hier soir là, quand j'ai glandé. Et oui, c'est l'heure pour toi aussi, Bébert. Des bisous. L'image du jeu est trop basse. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oui, t'as raison. Mais carrément, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fous là, Jean-Mich? Mais oui. Alors déjà, tu vas te calmer. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Attends, là ça... Ah bah oui, merci. Merci Seb. C'est terrible. Oh là 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 là. Mais non, c'est toi le chat aussi, t'inquiète pas, le chat est là. Tu représentes. C'est beau ça. Alors oui, du coup, les ennemis sont là, mais les coffres ne sont plus. Ah, je ne savais pas. Ah, les ennemis, oui, hein. Alors ça... Ah, ça pour remettre les ennemis à demande, hein. Oh là là, j'ai plus la main là. Ah oui, ça j'avais du mal, je me rappelle la dernière fois. J'avais du mal à me retourner, à faire des attaques du bon côté. J'ai tendance à appuyer sur le bouton en premier et à tourner après. Ce qui ne marche pas du tout. Du coup, j'ai souvent. J'ai la fâcheuse tendance à mettre des coups dans le vide. Au secours. Ouais. Change rien. Mais tu peux m'attaquer, hein, moi ça me dérange pas. Oh non, pas comme ça, Zinedine. C'est ridicule. That's ridiculous. J'ai pas vu. Ah, déjà on va mourir en 2-2. Bon, c'est normal, hein.
C'est normal, j'ai pas joué au jeu depuis 6 mois, donc une semaine. Je m'en vais avec Mukama à suivre mes cours. Bon courage à vous tous. Bon courage pour le boulot. Oh là là, tout le monde travaille là, c'est fou. Hein. C'est fou le travail. Moi aussi je travaille. Oh là là, mais bravo. Mais pas beaucoup de... Pas beaucoup d'allonge. De lounge. Ah, on peut faire ça. En tout cas, il est mignon. Il est mignon comme tout ce perso. C'était quoi ici? Pourquoi c'était comme ça? Zigzag. Ah ouais, d'accord, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien qui reste, quoi. Alors, c'est intéressant. Et en même temps, on gagne moins d'argent, quoi. Déjà, on a moins de 30%. Ok. C'est pas facile, hein. J'essaie de reprendre un petit peu les commandes, là, parce que... Ah, mais ouais, bon, on peut quand même trouver un peu d'argent dans les... Évidemment, dans les... Alors, attends, parce que... Du coup, on avait... Pourquoi j'avais bloqué? Pourquoi j'étais allé là? Je pouvais pas y aller là, normalement. Je pouvais pas aller là. Ça, c'est deux autres zones. Le boss est là. Ah, c'est pour tryhard le boss, en fait, oui. On pourrait aller là, d'ailleurs. Des bisous Mook, des bisous Bébert, des bisous Jelly. C'est un peu cringe qu'ils aient coupé la musique. Du coup, peut-être qu'il faut aller direct au boss, hein, en réalité. Je sais pas pourquoi je me suis... Mais j'avais complètement oublié que j'avais bloqué. J'avais keblo le truc. Comment ça? En ligne droite, c'est très bien. Ah! Ça c'est con. Je l'aurais bien pris. On peut pas là. Est-ce que ça vaut le coup? Je crois que oui. C'est ça non? Ouais, c'était un calcul. C'était un calcul savant quand même. Ok. Bien sûr, hein, bien sûr. Ah mais bien sûr je saute dessus. Ouais mais là je l'ai plus là, là j'ai plus rien. Oh là là c'est chiant. Hop. Hop. Ah oh, le boss, let's go. Mais je m'en souviens plus du tout moi du boss. C'est terrible. Ah mais oui ça fait ça c'est vrai. Oh non mais là, je me casse. Ça m'énerve. Surtout qu'en plus les coffres ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi j'insiste. Où est-ce qu'il est le boss? Moi bon, j'aurais dû me TP en fait, mais je me souvenais plus du tout de ce que j'avais fait. Je me souvenais plus que j'avais bloqué le... J'avais bloqué le... La map. Mais... Ah j'ai pas du tout, j'ai pas encore les commandes en main. Je n'ai plus les commandes en main. Ah puis la longe de cette arme là, elle est dégueulasse. En même temps, c'est un bon entraînement. Voilà, c'est la reprise. Si c'est bloqué maintenant, de toute façon... Oh, calmez-vous. Où est-ce que je vais, là? Regarde où tu vas, Michel. Pourquoi je m'emmerde, là? Ouais. Merci. Non, merci. Non, merci. Bon. Faut pas faire ça. Je l'ai dit, hein. Ah bon? Ok. Bien sûr. Bien sûr. Ah, le boss, easy. Easy le boss. Heureusement qu'on se soigne de 1 PV par touche, hein. Ah t'as vu ça? C'est ce qui va arriver hein. Je vais arriver au boss avec un PV. Ah mais bon... surtout qu'en plus, comme tu peux le constater... ça ne sert à rien tout ça, oui, ok. Je sais même pas ce que j'ai comme truc là, c'est quoi un R2 là? Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que... Une petite roulade. Mais ça a l'air craqué en plus. Mais je vais dessus. Ah là là là. JPP.
Mais c'est très très fort ça. Ah c'est dommage parce que je crois que le boss, faire des petites roulades et passer à travers les mobs, le boss justement c'est excessivement fort. C'est dommage. Dommage que j'arrive avec One Life. Bon, on prend de l'argent, hein. Moi je me dis que c'est jamais inutile. Jamais totalement inutile en tout cas. Eh, je te vois là, hein. Je te vois. On est patient, on est patient. Il est où? Ah mais j'y étais en fait là. Cette précision pour aller sur l'os, t'as vu ça? Non mais là c'est la run de l'entraînement. J'ai pas du tout envie de passer par là, donc je ne vais pas passer par là. Je vais écouter mon cœur. Regardez. Ah oui, ça a l'air mieux ici. Et ça fait quoi? Paf! Ah ouais quand même! Ah mais disons, mais il est craqué ce perso, c'est dommage. C'est dommage. On est sur quelque chose de dommageable. Ah! On aurait pu se TP direct en fait. Mais je savais plus moi! Oh là là, merde! Ouais mais là... Vraiment? Bon, ça sera pour le prochain. C'est pour rigoler. Ah, 119 de vie. C'est vrai? Ah, c'est sympa, ça. Ça servira pas à grand-chose, mais c'est sympa. Ça fait plaisir. Bonjour, Missio. Bonjour, monsieur La Mèche. La Mèche. Oui, bébé, vas-y, vas-y. Par contre, je pense que c'est le bon endroit. Ah, merde. Ah oui, là, c'est là, il faut rouler, je crois. Ok. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Non putain, j'oublie qu'on passe pas à travers. Ah là on passe à travers. Oh mais c'est tellement craqué. Ok. Mais putain. Est-ce qu'on peut faire... la fruite. Fruite. Là on peut rester ici. Là, on peut pas passer à travers. Ah, j'ai vraiment... Ah, j'ai le réflexe de pouvoir faire une roulade à travers les mobs. C'est terrible. Oui, bon, d'accord. Ça... Putain, mais on a déjà tué tout ça. Pour rien. Pour rien du tout. Alors qu'on pouvait se TP. Alors, attendez. Je suis pas sûr. Ah, ils ont contré. Alors ça, alors. J'avais jamais vu. Frappe de gel, on connaît pas. Tir ardent, ok. Et barrière de flame. S'active et se désactive. Inflige des crits de compétences après 5 secondes. Ok. Frappe de gel peut-être, hein, ça peut être bien. Voir la lignée. Ah, peut voir tous nos décédés. Ah, on a fait du monde quand même. Hein. Incroyable. Bon, par contre, je sais pas avec quoi je vais me battre. On a toujours envie de dasher à travers les ennemis comme dans Hollow Knight. Ah mais grave, mais moi c'est le réflexe, hein. Dans quasiment tous les... dans tous les jeux, tu peux faire ça. Là, non. Ce qui est relativement logique, hein. C'est pas parce que tu fais une roulette que tu passes à travers les gens, hein. Ah, quoi? Comment ça? Ah merde. Bon, mais tant pis alors. Adieu. Allez, on va prendre un chevalier classique pour se remettre un peu dedans, là, parce que nos 3 heures de jeu, il y a une semaine, ne servent pas à grand-chose aujourd'hui. Hein. Là, on en a conscience. C'est dégueulasse. Vitalité 2 plus 1. Oui, mais là aussi, c'est un plus 1, donc autant mettre là, c'est moins cher. Je sais pas si tu sais, mais si aucune des classes te convient, tu peux renvoyer le perso directement en entrant dans le château. Comment ça? C'est-à-dire, tu peux renvoyer le perso directement en entrant dans le château. Ah, tu veux dire... non, je vois pas. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je vais dans le menu et je... Si dans les 3 choix, il n'y a rien que t'aimes. D'accord. Ouais. Bon, après, c'est jamais inutile. C'est toujours rigolo aussi de tester. Moi, je m'en fous de perdre. J'ai même pas peur.
La dextérité, ce qui augmente les dégâts des coups critiques des armes. Ça, c'est fort quand même. On n'a pas beaucoup d'or, 640. Peut-être qu'on a des trucs à débloquer ici, non? Ou avec Gisèle. Mais je crois que Gisèle... attends. Un homme, un home. Home, sweet home. Plus 50% de détermination. Il nous faudrait plus de détermination aussi, là. Je crois qu'on peut pas porter assez de trucs. Et toi, là, tu t'as pas des... T'as pas des... On a rien débloqué avec ça. Avec elle, là. À part ça. C'est nul. Terrible. Le terrible, terrible désillusion. Deux trucs à 300, ce serait bien. Tout coûte tellement cher après dans le jeu. Tu m'étonnes. Oui, d'accord, ouais. Et reléguer ce perso, ok. Ah ouais, de toute façon, si c'est vraiment terrible, tu meurs et puis c'est fini, quoi. C'est juste pour accélérer le truc, j'imagine, mais... C'est un petit... C'est R, quoi. C'est le bouton R, c'est ça. Alors, attends. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un peu plus, c'est quoi, ça? Augmente votre détermination de départ. Ah, c'est pas mal, ça. 640. Ah, pourquoi pas. C'est du pile-poil. 340, ici. 400. 500... Oh là ouais, c'est vrai que c'est cher. Non mais quelque part, autant 640 ici aussi. En vrai, et ça fait quoi? Et c'est 400 ici? J'ai rien à 200 là, j'ai... Putain, c'est ouf. Combien? Votre catégorie de bois changera sous tous les 20%. 1540, ah oui d'accord. C'est beaucoup ça. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup. Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais pris ça, niveau 2. Ah, c'est pas dégueu. Hein. Ça sert à rien, là, mais c'est pas dégueu. Puisque je peux me TP à côté du boss, maintenant. On s'en bat les couilles. On va prendre ça. Ou la vie. Non, ça, c'est bien. Plus de détermination de départ, je crois. C'est quoi? Connaître le passé, ça paie. Les reliques coûtent moins de détermination. Ah! Intéressant, ça. 1900. Ok! Ok. Ok, ok, ok. Bonjour. Je m'appelais bien ici. Tu sais quoi, s'il n'y avait pas autant de monstres et de dangers, vraiment beaucoup de monstres, hein, c'est qui serait plutôt sympa. Ah, je me souviens plus des voix. Des voix de chacun. Ah, dommage. Hein. Salut José. Déverrouiller le monde. Verrouiller le monde pour de bon. Ah, mais là, oui. Là, je... Attends. Verrouiller le monde une fois. Le truc en blanc, pour ça en haut à gauche, tu sais ce que c'est? J'ai toujours pas compris. C'est la détermination. Ça... Je crois que c'est quand tu prends des reliques, justement. Ta détermination, elle baisse. Et quand elle... baisse, voilà. Je pense que... Ah, attends. Ça doit bien être écrit quelque part. Armure. Détermination. Toutes les reliques requièrent de la détermination. Quand elle baisse, elle diminue. Ouais, c'est vrai. Toutes les reliques requièrent de la détermination. Passer sous le seuil des 100% réduira votre santé max. D'un montant équivalent. Voilà. c'est écrit là. Do you understand? Ça baisse ta santé max. Donc quand tu prends beaucoup de reliques, si t'as pas assez de détermination, ça baisse ta santé max. Putain, level 70 et il sait pas ça, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux tirer en... Je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui. Non mais moi j'ai envie de... bloque-le. Michel, bloque-le. Faut être déterminé dans la vie, exactement. Allez, c'est parti. Tu dois tout, voyageuse. Oui. Ouais, rigole pas trop parce que je t'ai fini 4, hein. 4 pièces là, 4 piécettes là. Tiens. Tiens, charreau. Alors, on va pas faire la même erreur. Hein. Attendez, d'abord... Je suis vraiment un rat. Je prends tout ce que je peux. Et je vais me TP. On peut pas se TP là-haut, là? J'ai pas fait ça, quand même. Ah, voilà.
Youhou! On a 5 d'armure, ah, c'est beau. Un petit peu de la merde, non? Pourquoi il est fermé le bouquin? Parce que c'est de la déco. On peut avoir double poulet? C'est bon à savoir. Je ne savais pas. Non mais barrez-vous. On est où là? Il faut que j'aille où? Tiens! Ouais, y a pas de petit profit. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on se sera soigné. On sera soigné. Pas de petit profit. Note little profile. Donc faut que je me bloque. Je sais pas ce que ça bloque ça. Ça bloque beaucoup de trucs. J'avais oublié que ça passait à travers. Oui, c'est ça. C'est par là. Mais non, mais vraiment? Vraiment. Je suis comme ça, moi. Like caca. Non mais... ouais, mais c'est pas parce que tu te fais soigner que tu dois faire n'importe quoi, mec. Oh là là. Allez, c'est parti. On va réessayer. Donc on peut pas passer à travers lui. Je ne peux pas dash à travers lui. Je peux pas dash à travers lui. Don't forget it. Ok. 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 Ah oui, d'accord, ok. Ça, faut que je l'évite. C'est bon. Je peux rien faire. Si ça, je peux l'éviter. Ah non! 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 Ok. Ça, c'est Rin. Putain, mais je reconnais pas encore le pattern. Ah, reste là. Ok. Bon, j'imagine qu'il y a une P2, donc... Ah! Ah, il y a une P2! Qu'est-ce qu'il a? Ouah! Au secours! Ah, sa tête chercheuse. Oh, le bâtard. On a la P2. Bravo. Je crois. Ouais. Ah, dommage. Je peux... Ah, mais attends. Je viens d'avoir une illumination. Non, mais ça, c'est... par contre, c'est de la merde. Ah, ça, je pensais que ça allait le froze un peu plus. Ok. Mais non, mais non, je l'ai fait exprès. Salut, Soledad. Mais c'est mieux, on en a quelque chose là, j'apprends le pattern, il est pas trop dur, ça va, si je fonce pas comme un con... Par contre c'est bien d'avoir le dash en l'air, hein, parce que là, sans ça ce serait un peu compliqué quand même. Je dois avouer... Crise de panique. Je suis pas sûr, non. Ah, le poison. Peut-être que du poison. Alors que peut-être le poison. Non mais là on n'a rien gagné du tout là. Euh... 68 d'or, mais là on n'est pas là pour l'or, on est là pour le boss. Qu'est-ce qu'il y a, Gisèle? Oh mon canard, ces rues ne sont que l'avant en cours. Ah, si tu veux de meilleur, tu vas devoir me donner le meilleur. Le meilleur pour moi, c'est la terre rouge. Oh. Ce qui me permet d'être immortel, hein. Et pour toi, le meilleur, c'est d'empiler les runes. Hein, d'accord? C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.
Bien sûr, hein. Bien sûr, chez ça. Là. Alors attends, excuse-moi Michou, mais bloque-le, s'il te plaît. Pas que j'oublie de le faire, parce que sinon, faut que je me retape tout. Après, oui, c'est un calcul, quoi. Ici, c'est le calcul. Ah. Tu te sens mieux, en tout cas, Soledad ? Si j'ai cru comprendre, ça avait été un peu gumbigi ces derniers jours. L'argent, on prend l'argent. Ne vous inquiétez pas, je ne pars pas. Ouais, c'est quand même ça le plus près. Quoique. Peut-être c'est là. Bof, le matin, c'est toujours le plus compliqué. Mince. Le coffre qui stocke ton or avant d'aller au château. J'ai toujours pas compris comment on prenait à utiliser cet argent. Moi non plus. Là, j'avoue, J'ai pas la réponse. Moins 70%. Moins 70% de quoi? D'or? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, d'accord. Et des cas. On prend, hein, on prend. Ah, dommage. On va pas dasher comme un con dessus. Merci, bravo. Oh là là. Oh, y'a pas de petit profit. Allez, viens. Je sais que tu vas passer quand même. Ouais. On peut pas frapper en l'air avec elle? Ah si. C'est juste moi qui suis pas bien utilisé mes touches. Terrible. Courage à toi, Soléna, en tout cas. Hop. En même temps, je devrais rush. C'est pas avec les trois pièces que je gagne là qui... Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. On y croit. Lui croit des bâtons. Allez, c'est parti, oui. Et merde. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Frotte. Ah putain, je reconnais pas cette attaque. Ça me rend fou. Ouais, mais ça, j'ai pas pu l'éviter. Dommage. Alors que peut-être. Non, mais pas comme ça. Je croyais que c'était son attaque dégueulasse. Je peux pas passer à travers, Allez. Mais merde. Direct quoi. Ok. C'est quoi ça déjà? Ah. Mais putain, j'oublie qu'il n'y a pas de limite au dash. On peut pas les cancel. J'ai pas vu. Ah, c'est mieux. Pauvre Alexandre. Alexander. Jouer avec ce personnage pour révéler ce trait combative. Oh, intéressant ça. Plus de dégâts, mais moins de vie. J'imagine. Salut Mathéoc! Comment vas-tu, monsieur 158? Ah, c'est plaisir. Puritaine, colon super irritable. Non.
Jouer avec ce personnage pour révéler ce trait. Le problème, alors masochiste, pas mal, pas mal. Alors ça fait plaisir. Nous aussi, on va pas trop mal là. Là, je sens que c'est un peu chaud, mais c'est le jeu un peu chaud. Mais c'est plaisir. Ne pas oublier. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore, Micheline? 150%, mais moins de vie. Ma cocotte. Ma cocotte, tu as déjà demandé pourquoi tout était aussi sec ici, alors que la question si proche de là. Rien de ce de nous n'est pas de l'or, même si ça y ressemble. Elle n'envisage même pas de t'y baigner, ma cocotte. Ça tout empoisonnerait. Elle a des propriétés étranges. J'ai lancé des objets et ils ont tous coulé. Je me demande comment le coffre vivant fait pour y faire flotter sa bouée. C'est une bonne question, ça, là. Gisèle, je sais pas. Michel ? Tout va bien pour le travail. Moins 90%? Pourquoi? Ça augmente? Ah, je peux pas le... Ah, d'accord! Ah, je peux pas le faire à l'infini, quoi. C'est ça que le jeu essaie de me dire. Ou alors c'est pour de bon. Ah mais 90% c'est pas possible ça. Ah bah vas-y, on va refaire. Non, si, une petite DR. Verrouiller le monde une fois. Non si, une petite DR, allez vas-y. Petite DR comme ça, faut que j'apprenne. Qu'est-ce qu'il y a? Eh hey, par ici partenaire, c'est moi le coffre vivant. Tu pensais pas que j'étais vivant hein? T'inquiète, je sais que je suis un peu trop discret parfois. Je voulais juste te demander des nouvelles des investissements, tout va bien? L'argent rentre? Ah j'adore ça partenaire. Rien de tel que de voir le nombre de monter en flèche, pas vrai. Certaines personnes veulent du frisson, d'autres trouvent le bonheur en étant charitable. Mais moi, montre-moi un nombre qui augmente et ding ding ding. Je suis en feu, partenaire, en feu. On fire. Oh oui, vas-y. Même pas 158%. Je sais pas par rapport à quoi tu dis ça, mince. Mince! Bon, je manque de réactivité. Ah, je gagne que 1. Ah oui, avec moins 90%, faut peut-être pas non plus... Ouais, en vrai, je sais pas quel est le plus près. Tout pareil. Ah mais en fait, non, c'est plus long par... Non, c'est plus... C'était plus long par Alba. Ok, qu'est-ce que cette attaque dissidente? Là, vraiment, ça sert à rien. On a... Pas d'or. Ah, 150. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est les bonus dégâts. Les dégâts de bonus, pardon. Eh non, c'est à droite. Ouais, voilà. Oh là là là. Ah ouais, on met les patates quand même. Hein. Alors que peut-être. Hein. Oh là là. Ouais, on les one shot. C'est fou. Si fou. Ah que coucou! Salut Monkey! Comment vas-tu? Je vous traque tous ceux qui arrivent là petit à petit. Je fais des hiboux. Alors. Est-ce qu'on va au bon endroit? Pas tout à fait. Oui et non. Mais non mais sérieux? C'est pas grave. On se soigne quand on arrive au boss, donc tout va bien. C'est bien ce que je pensais, c'est pas du tout par là. Oh putain, faut que je me retape tout. Oh shit. C'est pas par là? Ah mais si, c'était vraiment par là tout à l'heure. C'est moi qui sais pas lire une carte. Ok, concentration maximale. Non mais, je peux me TP ici en fait, je sais pas pourquoi je m'emmerde. Hein. Je la vois pas en fait. Content d'avoir un peu de temps pour venir. Ah c'est cool! Et Mako, écoute elle est là. Ça y est, c'est réparade. J'ai pu changer ma box, tout s'est bien passé.
J'en suis ravi. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui. Ouais. Fruit. Le fruit fruit. Ça c'est quoi? Ah putain, je la reconnais pas celle-là. Ça c'est quoi? La retournage. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ouais. Non non non, putain, j'oublie que le dash, on peut pas le cancel le dash. C'est horrible. Dommage. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je joue mal. Hein. J'en conviens. Pour les coups, c'est bien goupillé là. Et merde. Mais on peut pas l'arrêter, mais on peut pas les arrêter. Allez! Allez! Les 150%! AK wins! Dans tous les sens du terme, mon petit monkey! Ah, c'est beau! Le premier boss qui passe ce matin, c'est beau! Donc, ça, c'est du coffre! Ça, c'est du coffre! Hein. Ah, les 150% de dégâts qui ont fait le travail, là, quand même! Hein. Et les trails d'avant aussi, parce que j'aurais eu 150% dès le début, ça n'aurait pas fonctionné! Oh, la belle prise! Crac. Ah, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Combien? Ok. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ah. Merci d'avoir permis à l'estuaire la mèche de retrouver le repos. Malgré ses actes, il méritait de mourir en guerrier. Merci pour le G, mon frérot. Il s'est battu pour son peuple, al popolo. Peu importe s'il avait raison ou tort. Peu importe, oui, oui. Ok, d'accord, super. Mais du coup, quoi? Et maintenant, quoi? J'ai débloqué un truc, là? Au secours? Enfin, 62 BV, hein. C'était juste, hein. Et du coup, mon petit monkey, tu travailles pas ce matin, c'est ça? Tu es en tranquillidad. Mais quoi? Que suis-je censé faire? Oh! Hein? Merci, merci Soléna. Oh, une Soléna! Mais qu'est-ce donc? L'Axis Mundi. Mais moi, j'ai rien débloqué de spécial là, non? Le lac, non, sûrement pas. Ah, c'est pour ça que je l'avais bloqué, j'avais trouvé pas mal d'entrées. Different. Pour le coup, je sais pas du tout où aller. J'ai ma matinée, mais j'enchaîne à midi. D'accord, d'accord. Bah écoute, c'est cool. C'est cool que tu puisses te poser un peu aussi, malgré tout. Il faudrait que je me soigne. Possible ça? 12h30, 21h, what the fucking fuck. Pas permis ça. C'est légal? Du coup, je sais pas du tout où aller là. La vérité est ailleurs. Hein.
Surtout que ça sert à rien, là, j'ai plus du tout d'argent. Bon, j'imagine que c'est débloqué forever. Ça fait un troll de 12 heures, ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Putain, ça fait 12 heures, ouais. Non, pas 12 heures. C'est pas 12 heures. Ça fait 9 heures. Mais quand même, c'est beaucoup. Enfin, même 8h30, quoi. Mais c'est beaucoup, hein. Ah oui, d'accord, là, c'était une Gisèle. Mais je suis censé faire quoi après le boss, là, Seb? J'ai pas vu, j'ai débloqué un truc ou quoi? Oui, bien sûr. Je sais pas comment j'ai pas pris de dégâts là-dessus, mais... Pour rien en plus, c'est vrai. Regarde ta map, Michel, tu verras. Ça t'évitera... ma map. Mais est-ce que j'ai débloqué un truc? Il faudrait que je me TP en fait. Ben, mais où est-ce que je vais là? Ah ben une TP, très bien. Mais ça, c'est une Gisèle qu'on a déjà faite. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, mais... Ok. Et d'accord, mais j'ai débloqué quoi? Bon, j'imagine, hein, je sais ce que j'allais faire là, mais... Ça fait genre... Ouais, c'est pas ton idée, ok. Mais c'est vrai. Je me dis qu'il doit y avoir une suite, mais... Ah, mais je suis quasiment soigné, c'est beau ça. Requier les bottes d'écho. Mais je les ai débloquées? La fabrication des plateformes résonantes temporaires était une mauvaise idée. Il n'y a pas suffisamment de volontaires possédant l'héritage d'écho pour traverser, et chaque vie perdue est un sacrifice que nous ne pouvons pas nous permettre de faire. Les estuaires ont raison, les villageois sont condamnés. Mais je suis censé faire quoi là? Ah, d'accord, mais j'ai raté un truc là, c'est pas possible. Quelle est cette diablerie? T'as battu le boss 1, maintenant go boss 2, c'est tout. T'as rien débloqué de spécial. En fait, maintenant à la porte bloquée par les racines, l'entrée, t'as un des 6 boss. Reviens à gauche. Ah, j'ai jamais vu ça. Le changement a frappé le pont, un peu comme tout le reste. Et maintenant que des sections entières du pont se déplacent constamment, les estuaires estiment qu'il est trop dangereux d'envoyer des ressources au village en périphérie. Ces gens ne suivront pas jusqu'à la prochaine récolte. Ne survivront pas si nous ne les aidons pas. C'est pourquoi j'aimerais que tu lances un appel aux volontaires. Nous mènerons des expéditions nous-mêmes si nécessaire. Pour traverser, vous aurez besoin d'un héritage qui se trouve à l'intérieur de la tour de la poterie. L'entrée se trouve juste au-dessus des portes de la citadelle. Elle s'est effondrée, mais vous pourrez peut-être trouver un autre moyen d'entrer par les étages supérieurs. N'oublie pas de rester discret. Les estuaires ne nous ont pas donné leur approbation. Parfois, je me demande s'ils veulent que les gens meurent de faim. Mais là, n'est pas la question. Peut-être qu'en faisant cela, nous pourrons commencer à racheter nos erreurs du passé. Waouh! Ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Aveugle man. C'est lui, c'est aveugle man. Merci Seb. Mais j'aurais pu y aller depuis le début en fait. Incroyable. Ah ouais, je peux pas là. Les escaliers se sont écroulés, il est devenu impossible de monter. Ce sont certainement ces satanés... Ah, mais c'est le même qui parle. Ce sont certainement ces satanés racines noires qui sont derrière tout ça. Elles ont dû se faufiler dans les fissures. Ouais? Bah, ça ne dit toujours pas comment... Aveugle man. Ah, je peux faire ça! Ah, j'utilise pas du tout assez le... Ah, le dash de mort, là. Ah, par contre, ça, c'est con. Je voulais faire le PGM, mais c'était peut-être pas nécessaire. Oh, des boîtes. Mais putain, mais je contrôle pas mon perso, quoi. Allô?
Ah! Bon, mais là, c'est une invitation, là. Incroyable. Non mais... Abruti! Je pensais que c'était la même... Incroyable. Bonjour. Allô? Ah! Salut, petite pote. Tu veux relever mon défi, pas vrai? Pas vrai? Allez, il faut que tu relèves le défi. Ça fait tellement longtemps que je suis coincé ici. T'as pas aidé. Essaye au moins une fois. De quoi t'as peur? C'est super facile. Écoute, petite pote, je te promets que mon pouvoir de résonance en vaut carrément la peine. Je rigole pas, ce pouvoir en vaut tellement la peine, t'as même pas idée. Allez, qu'est-ce que t'attends? Bah là, problème de skit de bon matin? Oh non, non, c'est tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Non problemo. Et j'ai fini Elden Ring, ok, alors vous pouvez rien dire. Hein. Bon, c'est surtout Jean-Jacques. Vos coups de pied tournoyants ont été améliorés en coups de pied résonnants. Qu'est-ce que ça change? Ah, mais voilà! C'est pas ça? Oula! Ok, super. On va avoir encore plus de plateformes. Encore plus de zbul, quoi. Non mais... Vraiment? Et j'appuyais par contre, merci. C'est gêné. Avec le jeu, t'es pas assez dur comme ça. Quoi? Hein? Vos coups de pied résonnants réinitialisent vos bons. Les ennemis résonnants peuvent être blessés que par les coups de pied résonnants. Ah ouais? C'est sérieux? Myrte! Peuvent frapper des objets et les projectiles résonnants. Ah, ça c'est gentil. Mais putain. Ok, je vois. J'ai pas vu. Je fais exprès, hein. On dirait, je le fais exprès. Moi c'est le nez, ou plutôt les sinus depuis hier. Merci le pollen. Ah, je compatis, hein. Je compatis moi aussi. J'arrête pas d'éternuer, c'est l'enfer. Mais pourquoi? Attends, je comprends pas. Ah oui, d'accord. Ok. I've got it. Au secours! Ah, ça y est? Oh, trop bien! Ah, bien joué, petite pote, t'as réussi. Merci de m'avoir sorti de là. C'est parti pour donner des coups de pied à tout ce qui bouge et faire la fête. Oh, c'est beau. Ah ben voilà, nickel. Oh, ça avance, hein. C'est beau, hein. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Là, on est sur quelque chose de qualitatif. C'est vraiment de la qualité. C'est de la qualité, là. Moi, je vois pas votre merde, là. Moi, je fais pousser des vrais radis. Ah, d'accord. C'est tout? Attendez, mais j'avais pas fini, moi. C'était fini, là? Il y avait que ça, en fait?
Ah ouais. Mais ah ouais, d'accord. Alerte générale, mon général. Et bon Juju, ça va? Oui, non, il y avait rien en fait. On est d'accord. Ouais, bah il y avait rien. C'est bien ça, je... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Coucou mon Juju, ça va? Ouais, non, pas du tout. Partons. Partons de pluie. Eh oui, parce que maintenant je peux aller là. C'est fou. C'est fou. Waouh. C'est-à-dire. C'est un piège? Eh oui, c'est ça. Hein. Eh ouais, parce que je t'ai vu venir le jeu. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Ah d'accord. Ouais. Pas mal. Ah, ils sont jaunes. Je les connais pas ceux-là. Qu'est-ce que vous faites? Une grosse bouboule, ok. Ah oui d'accord. Une grosse bouboule bien relou. Arrête. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, ils ont l'air bien chiants, eux. Je découvre, hein. Ah, ça a pas marché. Attendez. Ouais, j'ai pas réussi. Mais putain, mais je le fais exprès. Mais... J'ai un bouclier en plus, hein. Je m'en sers pas du tout. J'ai perdu toute ma vie déjà, toute ma vie. Ridicule. Oh là là, un archer. Quoi, quoi? Hein? Oh là là, ça a l'air chaud, ça. Est-ce que vraiment je veux faire ça? Est-ce qu'il veut faire ça? Ça dépend. C'est pourquoi? Ah, c'est un bon gros coffre aussi des familles, mais là c'est la mort en poule, hein, c'est tout ce qui va m'arriver. J'ai envie d'avancer un peu. C'est possible ça? Ah d'accord, merde. Bonjour. Bon, c'est un jeu de plateforme, hein, vous le saviez, si vous le saviez pas. On se soigne. Donc cela, ça se déclenche quand on marche dessus. Bah, voilà, genre là. Mais... J'essaie de faire un truc, hein. Je sens que... Ah oui, pas mal. Bonjour. On peut le détruire. Ok. Et... Quoi? Y'a rien? C'est tout? Comment ça? Qu'est-ce que je rate là? Le pire, c'est que Slay the Spire m'a dit: avez-vous vu l'heure? Mon cerveau a fait: et qui? J'étais sur Slay the Spire, j'ai pas vu la notif. T'inquiète. T'inquiète mon petit Juju. Putain, mais tu dois être super avancé. Coucou Pony. Je vous traîne tous les deux. Attendez, attendez. Je vais essayer de faire ça bien tout de même. Voilà, excusez-moi YouTube, je trinque. Je trinque les viewers. Je sais pas si cette expression elle est adéquate, mais
J'espère que vous allez bien ce matin. Tiens, je vous goat. Je vous ghoste pas, je vous goat. Quelle est cette diablerie? Alors ça, je ne sais pas. J'avoue. Ne pas paniquer, ne pas paniquer. On se soigne. Par contre, on gagne pas du tout d'argent, et ça, ça fait chier. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que les ennemis sont les mêmes, quasiment, hein. Peut-être les jaunes, là. Ah, on gagne que de, on gagne que de. Donc là, je pense qu'il faut, il faut reroll, là. Il faut relancer la map, hein. Ouais, d'accord. Où sommes-nous là? La vidéo du psy m'appuie, ouais, c'était rigolo. Vous êtes un connard. Ah, oh, c'est normal en France. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oui, bonjour. Ah, c'est rigolo. Il frappe à la porte. Ah, attends. Ah, dommage. Oui, bien sûr. Ah. Non mais... Je le sentais. Je me suis dit, mais arrête de faire ça. Essaye d'aller un peu plus loin. Au lieu de faire l'abruti. Meurs. Ah! Ça, c'est dommage. Bravo, Juju. Ah, c'est beau que tu dises bonjour à toi-même. Bon, on a battu un boss, hein. Au milieu, il y a un boss, là. Vous voyez pas, mais regardez. Vous avez vu, il y a un boss, là. Juste là. Ici. Attention. Regardez, là. Pointez, là, vous voyez mon doigt, là. Voyez, attention. Hop! C'est bien fait, quand même. Ah, oh, je suis désolé, ma petite Solena. Shit. Désynchronisation. Alors, on va faire un petit... on va jouer avec lui. Sorcellerie. On n'a pas beaucoup d'argent, c'est normal. Des objets à prix abordable, près des quais. Moins 25% de santé, mais on ne peut vous atteindre qu'en plein cœur. Comment ça? Ma hitbox, elle est là? Ah oui, d'accord. J'ai préparé du kefta pour le totem, mais il m'a dit qu'il ne mangeait pas. Jamais. C'était pas bizarre. Le coffre vivant mangeait sans problème, lui. Enfin bref, tu voudrais du kefta? Elle est sympa, quand même. Elle est chelou, mais sympa. Bon, Michel, non. L'architecte prend 100% de tout l'or que vous trouverez. Déverrouiller le monde. Mais là, faut reroll en fait. Quoi? Mais y'a quoi ici? J'ai même pas fait gaffe. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, je dormais pas! Ah, oh, c'est faux! J'ai pas du tout ça! Je suis malade, je touche beaucoup ce matin depuis quelques jours. Et là, je suis désolé pour ce qui va suivre juste après. Ah non! Ah, je suis désolé pour toi. Tu peux peut-être une pneumonie, broncho... Ouais, c'est vrai, attention, ouais. Fais attention à toi, petite Soyna, en effet. Même si t'es pas chez toi et tout ça, il y a bien des médecins, ou le médecin de Shugo, là, qui peut peut-être te... Bon, même si j'imagine que tu vas me dire « Non, mais ça va, j'ai l'habitude, mais quand même. » C'est trop galère, un rendez-vous chez les médecins, c'est vrai? Merde. Ah, c'est juste toi! Salutations voyageurs, c'est un plaisir de te voir enfin! Bienvenue à la demeure des Rivottes, notre petit mont douillé entre tous les mondes. Je me nomme Gérard, Gérard Depardieu. Je suis le gardien des âmes.
Je crois que tu as déjà eu le plaisir de rencontrer mon frère, Charon. Ah, c'est une vraie charogne, hein, vous avez vu ça? Ah, je le charrie avec ça. T'as compris le coup? Un type grand, sombre et pas très bavard. Et je sais pas de lui vouloir pour en son silence, il est encore jeune, dans une phase où il se rebelle contre tout. Mais moi j'aime parler, j'adore ça même. Je veux comprendre la condition humaine. Ah, c'est mon travail. Deuxième fois, moi c'est vraiment horrible. Il y a quelqu'un qui me refile encore un truc et ça recommence. Ça fait bientôt un mois et demi que c'est comme ça. Shit! J'imagine que c'est pas vraiment ça, Sébastien. Je suis un peu narcoleptique, donc faisons-en fait avant que la douce étreinte du sommeil ne m'emporte. Ah. Terrible. Je te trouve dans la demeure dérivante, le foyer des divinités shtourniennes. Cette demeure est un point d'ancrage, un lieu stable entre le monde et la dérive. Elle existe partout et nulle part à la fois. Toutes les divinités croniennes ont les devoirs à accomplir, qui leur sont propres. Certaines amènent des morts jusqu'à leur destination, d'autres gardent des âmes. Bref, tu m'as compris, quoi, hein. Ça demande beaucoup de travail, mais j'adore ce que je fais. Ah, pardon, excuse-moi, je suis narcoleptique. Je peux m'endormir à tout moment. Et même si nous sommes des divinités, nous ne sommes pas omnipotents. Même les dieux ont parfois besoin d'aide. De l'aide des mortels, tu sais. Et là, c'est là que t'interviens, mon coco. En m'aidant moi, tu t'aideras aussi toi-même, hein. Si ce que je te dis t'intéresse, alors arrêtons de tourner autour du pot et mettons au travail. Qu'est-ce que... Après les ordres d'avantage sur les cicatrices... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah. Mais... Si c'était le Covid, j'aurais pas seulement deux symptômes. Ouais, mais je comprendrais. Hugo n'a pas de médecin. Il est en adamantium ou comment ça se passe? Ah, oh, je suis réveillé. Qu'est-ce que... Quoi? Allez, j'ai pas signé pour ça, moi. Fous-moi la paix. Ah! Tiens. Ah oui, il frappe pas tout de suite, lui. Faut faire gaffe. Il y en a un à 2 heures de route. Il y en a un à 2 heures de route. Il y en a pas de voiture. Mais comment ça? Mais Doctolib, hein. En vrai, Solena aussi. Alors attends. Il y a combien de VOD là? Solena, moi, une fois, enfin, je sais plus ce que c'était. C'était pour. C'était pour quoi? Je sais plus. En tout cas, j'avais fait. J'aurais demandé ma carte vitale. Et encore faut-il qu'ils aient pensé à me la donner. Parce que quand je demande un truc, ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Ah! Mukama! Coucou Mukama. Non, Doctolib, ouais, essayer un médecin sur Doctolib. Franchement, ça peut-être... Et au pire, même tes parents, ils t'envoient une photo de ta carte vitale, ça suffit, quoi. Enfin, quand j'ai pris des consultations par visio sur Doctolib. Voilà, c'est ça, ouais. Après, je parle, mais peut-être je vais regarder. Joli Mukama. Ah! Bienvenue à Ereb, le point astral de l'inconscient collectif. Dans cette vaste étendue, toutes les âmes des vivants et des morts sont reliées les unes aux autres. Ici, tous nos souvenirs, nos émotions et nos actes sont mis à nu. Personne n'existe en isolation parfaite, vois-tu? Nous avons tous un impact les uns sur les autres. Ah! Ah, ça y est, c'est papy psy. C'est moi. Attendez, il faut que je me mette en condition. C'est très intéressant ces jeux. On apprend des choses, hein. Ah, il est vraiment sympa ce papy. On peut l'avoir d'ici ou pas? Non, on peut pas. Consultation en visio, putain, je vais démarrer. Ah bah oui, faut vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps, mon cher Sébastien. Alors, tu vois, moi, j'ai beau avoir mon âge, je suis sur l'internet. Je stream, je fais du streams. Je l'ai. Ah, c'est cool. Écoute, peut-être qu'une petite consulte sur Doctolib, avec un médecin, une espèce de moment d'urgence, quoi. Eh ben, c'est peut-être pas dégueu, hein, ma petite Solena. Hein. Franchement, attention, hein. Faites pas les fous comme ça.
Prenez soin de vous, hein. Je suis le gardien des âmes des rêves. Je prends soin des émotions vertueuses, tout en éliminant les émotions négatives. Mais parfois, un événement si catastrophique se produit que le traumatisme psychologique qui entraîne provoque l'apparition d'une cicatrice. Et nous ignorons les cicatrices en bois de nos esprits des générations futures. Ah mais non mais c'est mon travail quoi là, c'est bon, moi je j'ai pas signé pour ça, hein. Les souvenirs rouges que tu vois dans le monde sont des cicatrices. Apporte-les-moi et je t'aiderai à les purifier. Les gens ont tendance à cacher leur plus grande peur, ce qui rend les cicatrices difficiles à trouver. Mais je les entends raisonner, donc viens me voir, je te guiderai jusqu'à elles. Putain, mais c'est vrai, c'est moi en fait. C'est moi. Zéro ne valide les visions. C'est n'importe quoi. Mais comment ça? J'ai 350 clients médecins et zéro ne valide les visions. C'est que ça veut dire quoi? Ils sont pas d'accord avec les visios? Mais du coup, Soléna, qu'est-ce que tu penses de faire une visio, un rendez-vous en visio? Au moins pour parler de tes symptômes et de ta situation. Pour voir ce qu'on te conseille. J'entends raisonner, donc viens me voir et je te guiderai jusqu'à elle. Souvenir de Gérard. Ah oui, c'est en rouge, j'en ai jamais vu, je crois. Ça me dit rien. Ils ne sont pas d'accord. Bah, je suis désolé, mais il y a des fois, c'est quand même... C'est cool que ça existe. C'est sûr que c'est mieux que ça soit en direct, les consultations médicales. C'est sûr que là... Ouvrez la bouche. Ah ouais, ouais, ouais. J'imagine bien le mec comme ça, avec sa lumière devant la webcam, là. Ah ouais, ouais, ouais. comment il écoute les poumons, comment il différencie une bronchite d'une bronchopneumonie avec sa caméra. Non, mais complètement, je suis d'accord avec toi que c'est ridicule. Mais il y a des fois, là, par exemple, ce serait un bon début. Ce serait mieux que rien, peut-être. Ou moi, quand t'as besoin d'une ordonnance à la con, enfin voilà, c'est pas... Des fois, t'as pas besoin d'y aller. Des fois, ouais, c'est nécessaire. Ouais. Faut que j'y réfléchisse parce que une consultation visio, c'est pas toujours efficace. Mais pourquoi pas. Je suis d'accord avec toi. Ça peut aider pour des petits trucs, ok. Mais pas quand tu es venu à cause de tatou. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute, là, elle est partie pour rien faire, alors... Pardon, Soléna, je sais que tu es là et que tu entends, mais... La visio est très pratique. Et si le médecin estime qu'il faut un contact... Mais que le patient ne peut pas venir, il fera ce qu'il faut. Les visios sont utiles quand il y a du désert médical, mais c'est mieux en face, bien sûr. Là, c'est ça. Et après, voilà, il y a les urgences aussi. Je suis passé pas loin de l'hospitalisation d'une bronchopneumonie, alors. Ah ouais, ça parle d'expérience. Le voyageur sera-t-il assez fort pour relever les défis des cicatrices? Je n'ai pas travaillé avec un mortel depuis longtemps. Et on ne peut pas dire que la dernière fois se soit bien passé. Mais je dois garder la foi. J'ai vu le voyageur surmonter bien des obstacles. Cela dit, la corruption provoquée par ses cicatrices n'a rien à voir avec ce qu'il a traversé jusqu'à maintenant. Un début assez simple. Cicatrice découverte. D'accord. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un temps de latence quand même particulier. Ah! Ces traumatismes, ces cicatrices, je ne peux pas les évaser tout seul. Ouais, si je m'en fais, évidemment qu'on s'en fait. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, V? Hein? C'est une communauté aussi, on se soutient du mieux qu'on peut, même si c'est... La journée, ils redescendent. La gravité, quoi. Oui. Sébastien Isaac, médecin... médecin à temps partiel. Je te charrie pas du tout, Seb. Je pense que ce que tu dis, c'est assez juste. Mais... C'est trop bâtiche, mais j'ai garé, je ne peux pas les avertir. Je n'ai pas la capacité de comprendre pleinement la difficulté de ces mortels, que les mortels rencontrent au quotidien. Et pourquoi j'ai besoin de ton aide? J'ai besoin de l'empathie d'un être mortel pour m'aider à soigner ces terres. Ta compassion peut guérir le monde. C'est beau, c'est beau. C'est mon travail. Oui, bon... Pas jusque-là, quand même, par rapport à mon travail, mais un petit peu. Là, je suis vraiment jamais contre aller chez le médecin quand il te faut, mais là, je connais personne, je connais pas le lieu, et Hugo peut même pas m'accompagner, puisqu'il est en cours. Mais, je comprends, mais... Pas non plus ne rien faire, Soléna.
c'est pas tous les jours que ça arrive, ça. Tiens. Les cicatrices que tu dois affronter sont insidieuses. Elles te pousseront dans tes derniers retranchements. Et sur le plan des rêves, la force physique ne te mènera pas bien loin. Ton corps sera entravé par ton lien d'empathie. Mais si tu parviens à renforcer ce lien en trouvant des empathies, tu pourras réduire ou même faire disparaître ses limites. J'ai rien compris, hein, je comprends rien. Mais seulement... Je vais garder un chat. PS, je suis allergique. Ah! Dommage. Après, pourquoi pas SOS médecin s'il n'y en a pas loin. Je verrai ça avec Hugo. Bon. C'est vous qui voyez, ma chère. Bienvenue au sommet de la... Excusez-moi, j'ai failli bien parler. Bienvenue au sommet de la Caldera. La Caldera, voyageur. La montagne que tu viens de gravir est ma cicatrice. Elle grandit en même temps que ma peur de ne pas réussir à sauver les mortels. Il y a eu tant de souffrances et de douleurs ici, tant de cicatrices qui ont pu proliférer et empoisonner les terres. D'innombrables générations seront corrompues par les traumatismes dont elles vont hériter. J'estime qu'elles méritent mieux. Alors qu'en dis-tu? M'aideras-tu à emporter la délivrance aux délaissés? Je sais que c'est une tâche de grande ampleur, mais tu as déjà su gravir cette montagne. Et si tu fais un beau travail, je donnerai des trophées. Tout le monde adore les trophées. Mais qu'est-ce que je veux dire? On saute là? Oui, c'est ça qu'il veut. On vient de faire Céleste, en fait. On a gravi la montagne des blessures et des cicatrices et de la dépression. YOLO! Guérib Ereb. Ah, c'était tout? Votre clan S... Votre classement S++. 0. Oui, d'accord, mais bon. Ah! Quoi? Vainquez le monstre de la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas intérêt à faire des dégâts de chute. Non, ça c'est clair. C'est clair que là... Et comment on monte là? Peut-être par là. Ah non, peut-être pas. Bah... Attends. J'ai pas lu ça. Salutations voyageurs et bienvenue à la boutique des Saheims. Bienvenue dans le comble. Je m'appelle Kerr et la petite turbulente là-bas, c'est ma petite sœur qui s'appelle aussi Kerr. C'est moi, la vraie Kerr. Notre emplacement est loin d'être idéal, mais nous proposons des produits d'excellente qualité. Notre offre ne s'adresse qu'aux clients les plus avisés. Interdit de faire du lâche vitrine, hein? Si tu souhaites consulter notre catalogue, sache que les âmes sont la seule monnaie que nous acceptons. Pas de minerais, pas de terres et surtout pas de cet or sans intérêt que notre frère affectionne tant. Oui. Les âmes, les essuies, sont les plus savoureuses de toutes. Plutôt que les produits physiques, notre boutique propose le produit le plus précieux de tous. Le pouvoir du potentiel. Tu devras tout de même y mettre du tien. Mais avec un peu d'huile de coude, tu pourras briller. Après tout, comme on dit, le pouvoir sans persévérance n'est pas vraiment du pouvoir. Et personne n'a jamais dit ça. Pchut. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai 100 âmes. Qu'est-ce que ça fait? On va toujours faire mieux. Vous pouvez désormais trouver de l'équipement de plus haut niveau. Ah! Bah ouais. Ouais, ouais. Ah! Vous pouvez désormais trouver des runes de plus haut niveau. Ah bah vas-y. Oh, trop bien. Augmente le niveau max des compétences suivantes. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est infini. Ce jeu est infinite. Il est infinite. Donc là, on va refaire une partie. On va s'arrêter là. On va faire une petite pause là. Nice. Double nice. Mais grave. C'est plutôt cool hein. Bon, c'est trop bien. C'est trop bien ce jeu. Ah, et je...
J'hésite à tester Trek to Yumi, du coup j'ai envie de faire ça toute la matinée, il est vraiment super. Je sais parce que j'ai battu le boss, alors je suis un peu hypé. Youhou, youhou, youhou. Faut que j'apprenne à utiliser ça. Ça fait des dégâts et ça permet quand même de... Je l'ai pas utilisé une seule fois contre le boss, alors je suis sûr que j'aurais pu passer par-dessus lui en le tapant. Voilà. Incroyable. Bon, en tout cas, je suis trop fan de ce jeu, même du côté rageant. Mais ouais, grave, hein. Ah, il est dur, mais il y a un apprentissage, en fait. C'est comme un Dark Souls. Je dis pas que c'est un Dark Souls-like. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord. Et en même temps, il y a quelque chose de cet ordre, un peu. Est-ce qu'on pourrait pas acheter ça? Ouais, non, dépenser des... Non, c'est vraiment pas... Ça va pas, c'est pas utile. La cape, on a un bracelet, une cape. Un homme. Ah oh. Mais moi je la veux celle-là. Pourquoi j'ai pas ça? Combien ça coûte? 675, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Et en même temps... On va peut-être acheter ça. Bref, c'est vraiment pour... Ouais non, tant pis. J'ai pas envie de dépenser les trucs. R1. Oui, partenaire. Tu veux que je te donne quelques statistiques de compatibilité... De comptabilité? Actuellement, je détiens 13 de tes pièces d'or. Ma capacité maximale est de 1000. Au total, tu as dépensé 590 pièces d'or à ce bon vieux charron. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Comment on l'utilise? T'as raison, Seb. Je sais pas du tout comment on utilise ça. Mais c'est mignon en chat. Mais oui, c'est très mignon. Mais moi aussi, là, mes allergies, elles sont en train de crever le plafond un peu. Ça faisait longtemps, j'avais été à peu près tranquille. Et là depuis que le pollen est revenu, quand je vais voir les chats de crocro, ils me défoncent. En plus, ils perdent tous leurs poils, là, ils en foutent partout. Mouraï, la dernière fois, il est passé comme ça, il est venu, il s'est frotté à bois. Il y avait une traînée de poils comme ça, là. C'était très drôle. Bon, allez, petite pause. Petite pause, les amis. Je vais dire bonjour à YouTube. Non, je vais dire au revoir à YouTube. Au revoir, YouTube. C'était cool comme session. On a battu le boss. Et on a commencé à découvrir la zone 2. On va recommencer une partie depuis le début avec un cuistot au petit cœur. C'est beau. A bientôt, YouTube. On va faire une autre petite VOD juste après, c'est sûr. Des bisous.